Un parapluie, un peu de patience et voilà. Voilà celui dont la crête éclipse un soleil absent de Montpellier ce lundi midi. Faut le faire pour être champion de France. Le truculent Louis-Nicolin l'avait promis, il l'a fait. D'accord, certains puristes, sans doute des Parisiens, remarqueront qu'il n'a tenu qu'une partie de son engagement. Il ne s'est pas fait exactement tondre les tempes, mais gominer ses cheveux en bleu et laquer orangé sur le crâne. Une crête visuelle en quelque sorte, mais surtout aux couleurs du club. 10 minutes avant le journal du midi, staff et joueurs, 30 personnes, sortent du car, ils découvrent leur président. Oh putain! Le look du premier citoyen de la paillade est vraiment apprécié. Et puis l'heure est aux embrassades. Bonjour. Toujours le premier sur l'homme, le Brésilien Vitorino Hilton. Et puis l'entraîneur René Girard avec son regard d'aigle et son tendre baiser. Le gardien de but, Geoffrey Jourdain aussi. Tous les portables sont sortis, avec Olivier Giroud en pointe et Joris Marvaux notamment. Eh oui, le direct n'attend pas. Il faut être à l'heure sur le plateau. Il est midi moins deux. Les portables des joueurs continuent de crépiter et le coach René Girard, toujours d'expliquer. Comme look, c'est pas mal. C'est pas mal. Comme quoi, on peut gagner quelques années et un peu de temps. C'est super. Là, au moins, c'est quelqu'un qui tient parole. Il avait annoncé, il a fait. Il a fait. Voilà, c'était les premières images du Georges Fraîche du football. Tout d'orange découvert. Que fera-t-il s'il gagne la Ligue des Champions ? Les paris sont ouverts. Allez, Camela !